Là, donc on se retrouve, on est le mercredi 30 décembre et c'est bon, on a eu les clés ce matin. Je vais amener en fait les trucs les plus faciles à emmener et aussi je vais venir trier dans le garage de ma mère ce qu'elle avait déjà mis de côté pour moi et je vais aussi tout amener là-bas. C'est parti. Du coup, je vous ai pas repris parce que j'avais pas le temps de filmer, on a monté vite fait ce que j'avais préparé dans les cartons à l'appart. Là, on va aller à Conforama et à But pour aller voir pour un canapé. J'aimerais un beau canapé d'angle en fait. Et aussi voir pour un matelas qui rentre dans mon lit. Je vais peut-être un peu filmer, voir s'il y a des hésitations, tout ça. Je pense qu'on va aller à Confo, ensuite on va aller à But. Et suivant ce qu'on préfère chez l'un ou chez l'autre, on ira le chercher ensuite, voilà. Et ensuite on l'amènera à l'appartement. Et aussi je vous ferai un appartement tour quand tout sera vide là. Enfin quand je serai tranquille toute seule, je vous ferai un appartement tour pour que vous voyez un peu la superficie et l'arrangement de l'appartement. Parce que je pense que ça peut vous plaire, voilà. Alors ce canapé nous a trop plu et on a pris normalement une table basse. Bref, là, donc on va sûrement prendre ce canapé, je le prends en photo et après on va aller à But pour aller voir s'il y en a des meilleurs. Voilà, donc en plus il est à moins 50, c'est trop trop bien. Et non, vraiment je l'aime bien, en plus il y a des petites cachettes et tout, je kiffe. Du coup, on a acheté une super jolie table basse, vraiment elle est hyper mignonne. Voilà, donc c'est ma maman qui nous l'a offert. Et là, on trace à But en espérant que ce soit... Enfin, ça va pas être fermé, hein. Mais voilà, en espérant de ne pas trop être pressé non plus. On passe à But, comparer les canapés comme je vous avais dit. Regardez aussi les matelas parce qu'on a trouvé un super beau matelas à Confo. Mais bref, on a quand même envie de voir dans un autre magasin. Et voilà. Et aussi, on va avoir à But pour une grande armoire. Parce que j'aimerais bien avoir une grande armoire avec des portes coulissantes. Et avec au moins un miroir, pour avoir un grand miroir dans la chambre bureau en fait, dressing, tout ça. Du coup, on se retrouve, il est 19h43. Donc on est allé à But, on a trouvé un canapé qui était trop bien. Franchement il nous a bien plu et tout. Et aussi on a trouvé une grande armoire, elle est trop belle avec un grand miroir et tout. Franchement elle était vraiment pas mal. Enfin on a voulu voir si c'était en stock, avec plus stock. Et si on se faisait livrer, ça durait, enfin c'était au moins un mois et demi, deux mois. Enfin pas possible en fait, on va s'asseoir où, on va s'asseoir par terre. Bref du coup le plan est échoué. Je vais samedi matin, parce que là demain je travaille, mon copain aussi, vendredi férié, youpi, donc vendredi en plus c'est gros déménagement de meubles, frigo. Samedi matin je vais à Ikea et je vais aller faire du repérage, voilà, je vais prendre des photos, tout ça, s'il y a quelque chose qui me plaît je le réserverai et on l'achètera, voilà, donc aujourd'hui c'est un échec, et voilà, et pour l'appartement tour j'ai pas eu le temps de le faire donc je le ferai samedi matin avec vous. Alors, rebonjour, nous sommes samedi 2 janvier. Je ne sais plus où est-ce que je me suis arrêtée. J'avoue, en fait, dans tout ce qui est vlog, tout ça, je crois que c'est un peu éparpillé en fait. Du coup, j'ai fait plusieurs choses. Que je regarde pour le canapé qu'on n'avait pas eu à But, c'est voir s'il y a mieux ou quoi. Et aussi voir si je peux trouver aussi un matelas, peut-être moins cher que celui de But. Ça, et j'aimerais bien aussi qu'on trouve une armoire. Et si je peux, je me prends des petits meubles pour ranger mon make-up. Aujourd'hui, c'est une journée très chargée. Je sais pas comment je vais pouvoir assembler tous ces vlogs que j'ai fait n'importe comment, dans n'importe quel sens. Il me fait mal ce piercing. Bref, en espérant que vous arriviez à comprendre. Et allez, c'est parti. J'hésite entre celui-là, qui est vachement... Enfin, il est simple, en fait. Il est un peu surélevé, donc c'est pas mal, ça peut pas sentir la spie. Il y a 5 coussins avec, et s'il y a 5 coussins, il tombe à 508 €. Et vraiment, je le trouve plutôt pas mal. Donc j'hésite entre lui... Mais dans cette pan gris, je crois que je le prendrai en fait. Sinon, peut-être en comme ça. Mais là, je trouve que ça fait un peu vieux. Et gris, je sais pas si je le veux en gris. Et en fait, j'aime bien celui-là. La chose que j'aimais pas, c'est que là, en fait, ça baille en bas. J'aime pas. Mais au pire, on peut mettre des agrafes. Donc là, il y a du rangement, en dessous, ça soulève, la méridienne. Et là, il y a un couchage, donc ça, c'est pas mal. Et dedans, il y a les coussins qui sont vendus avec. Et c'est plutôt pas mal. J'aime bien parce qu'il y a deux accoudoirs. L'autre n'a pas deux accoudoirs. Et du coup, il coûte 700 avec les coussins. Donc ça, c'est pas mal. L'autre, il fallait acheter les coussins en plus. Oh oui, il coûtait 500, mais c'est des différents. Et en cette couleur. En cette couleur, il est vachement bien. J'aime bien. Donc je vais aller voir s'il est dispo. J'espère qu'il est dispo. Dans ma butte où tout ce qu'on voulait était indisponible. Du coup, je vais voir. Donc en fin de compte, je prends celui-ci. Enfin, on prend celui-là. Donc il est à 700 €. Voilà. Donc j'espère qu'il y en a dans la voiture. Il y a les coussins. Et par contre, je vais devoir le prendre en gris parce qu'il est plus disponible sinon que dans 2 semaines. En fait, on est obligé d'avoir un canapé si on peut pas s'asseoir. Si on veut mettre notre housse, on peut parce qu'il est déhoussable. Donc, et lavable en machine, c'est très très bien. Donc, je suis très contente. Et maintenant, il faut que je cherche une armoire et un matelas.
et aussi un petit rangement make-up, je vais voir ça. Du coup c'est bon, j'ai trouvé le canapé, donc on va, enfin je veux dire je l'ai payé. Là je vais le retirer au retrait des marchandises. Et voilà, donc il y a 3 ou 4, non il est en 4 pièces, j'espère qu'il va rentrer dans ma voiture, ça va être incroyable. Sinon je vais appeler ma mère. Et après bah, pour monter ça va être incroyable aussi parce que je ne sais pas. Alors c'est bon, j'ai mon canapé, mais clairement ça ne rentrera strictement jamais dans ma voiture. C'est énorme, il y a 4, enfin il y a 3 énormes trucs. Mais du coup j'ai appelé ma mère pour qu'elle vienne avec le gros 4x4 parce que là... C'est que c'est pas possible, en fait ça ne rentre pas. Du coup on va venir avec mon beau-frère parce qu'il fait des peintures chez moi, mais je vais avoir besoin de lui, donc je pense m'aider à le mettre à l'appartement parce que toute seule je ne peux pas, je suis trop petite. Bref, là on fait un saut dans le temps, en attendant je suis allée me faire tatouer et tout, enfin un truc incroyable. Bref, et en gros je suis passée à But parce qu'il y avait des jolis trucs et ah je peux pas faire demi-tour, mais en gros là je viens de voir un meuble, il est trop bien. En gros c'est celui-là, donc il est 170, il passe à 130. Et en fait un meuble comme ça, j'aimerais en fait ranger mon maquillage dedans. Et je veux pas les Alex comme tout le monde a, parce qu'en fait les Alex ils sont pas profonds du tout. Que lui franchement il est bien, j'aime bien. Et au moins il y aura de la place, parce qu'en fait à 130 il revient en fait au même prix que le petit, qui en fait à la base faut 140. Et voilà, et là lui il est petit, enfin il est pas large, que l'autre est large. Du coup je pense que je vais prendre l'autre, donc je vais prendre en fait celui-là pour mon make-up en fait. Et ça peut être vachement bien, ça peut être vachement bien, ouais, je suis contente. Je pense que je vais prendre lui, je vais demander s'il est dispo. C'est bon, du coup j'ai tout monté, il est 7h20, un truc comme ça. Donc en fait j'ai monté tout ça toute seule et j'ai monté ce petit meuble qui nous servira aussi. Et ça du coup c'est le canapé, parce que tout à l'heure je vous ai pas montré, donc voilà, je sais pas me capter à l'envers. Donc en fait tout ça c'est le canapé que ma mère nous a offert, que mon beau-frère a aidé avec moi tout à l'heure à monter. D'ailleurs là tout à l'heure je me suis éclaté la lèvre, je me suis fait super mal en fait avec mon truc de piano, avec ça. Room tour, donc en fait ici donc il y a la porte d'entrée. Par contre j'ai des allergies, j'ai respiré trop de produits. Voilà, donc ici on a la porte d'entrée. Quand on rentre en fait on a du coup un petit une petite entrée en fait, genre un petit sas quoi. Hop. Et ensuite là ça donne donc du coup sur une grande porte qui n'existe pas. Et donc là boum, on tombe dans la salle à manger. Et en fait voilà, donc ça tombe sur une grande baie vitrée. Ici on a un balcon, ici ça nous envoie sur la cuisine, et ici on a un couloir. Donc si on va direction cuisine, et donc voilà, donc la cuisine elle est comme ça, donc on a une plaque, elle est toute neuve, elle a jamais été utilisée, donc on a des placards, tout ça. On a une fenêtre, et ici en fait on a des placards. Ensuite donc d'ici ça donne la salle à manger. Ensuite donc du coup quand on repart dans le couloir, donc le couloir est comme ça, sur tout le long on a plein de rangements, donc ça c'est très très bien. Vous voyez, plein de rangements, nickel. Ici, boum, on tombe dans la salle de bain qui est complètement à refaire. Enfin, ça, ça a été fait n'importe comment. C'est un carnage. Là, je viens de nettoyer la douche. Je peux vous dire que c'est n'importe quoi. Enfin, ça a été très mal fait. Ça n'a pas été entretenu. Bref. Donc, en fait, nous, on aimerait tout refaire. Et tout refaire, en fait, parce que c'est pas possible. Donc, j'ai envoyé une demande, blablabla. Bref. Vous verrez si un jour ça se fait. Mais la salle de bain est vraiment pas belle. Ensuite, donc, boum, nous tombons sur un toilette. Incroyable. Ici, on tombe dans la première chambre. Voilà, donc elle est carrée celle-ci, et ce sera du coup notre chambre, voilà. Donc j'imagine mon lit ici, une petite table de nuit là-bas, et en fait là ici, ça tombe sur le deuxième balcon de chez nous. Et ensuite quand on va dans la dernière pièce, la seconde chambre. Ah, donc ça paraît encombré, mais elle est beaucoup plus rectangulaire. Et donc vous voyez, on a encore la baie vitrée, et en fait les deux chambres se rejoignent par un balcon. Ça c'est génial, on a adoré. Celle-là c'est la plus grande, elle fait 11 mètres, et l'autre a fait 10 mètres carrés, enfin un truc dans le délire. Mais celle-là est plus grande, mais en fait c'est qu'elle est en longueur, du coup en fait on va s'en servir comme dressing, moi YouTube, bureau, voilà. Donc et quand on repart, on voit l'entrée qui est là-bas. En espérant que cette première vidéo de déménagement vous ait plu, on a éteint toutes les lumières. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et à commenter. Ciao, ciao, à la prochaine !